troisième jour à Bali. Je suis un peu tard hier, rien en plus. On est encore dans un petit boui-boui pour prendre le petit déjeuner. Regardez comment il a bronzé mon bébé. Et moi, j'ai bronzé aussi, je vous jure, mais je me suis encore piquée par un moustique là, c'est horrible. T'es vraiment quoi? Vraiment une mauvaise foi parce que c'est vrai que c'est marqué de partout. Attends, on a essayé d'aller dans un beach club. Ils ont creusé, ils laissent des gens qui sont pas de l'hôtel utiliser la piscine, mais pas en saison pleine. Du coup, on n'a pas pu se poser au bord de la piscine. Et au final, on est allé dans une petite plage, je sais plus comment elle s'appelle, et c'est trop trop mignon. On s'est trouvé un petit resto. Mathéo il a pris un petit poké, moi j'ai pris un chicken burger. On vient finalement manger. Franchement je suis grave déçue. J'en avais entendu parler de ouf de ce resto. Les TikTok et tout, même j'ai des potes qui m'ont recommandé. Et genre vraiment les plats c'était un moineau quoi. Franchement là j'ai encore la dalle. Ok il était archi petit, il y avait à peine de riz. Le burger il était bon, mais genre les frites, bah il y avait 4 frites quoi qui se battaient dans l'assiette. Donc un peu déçue. Le petit déjeuner, trop mignon. Je crois qu'on va dans une place qui s'appelle Clooney Bowl. On va au resto pour manger sushi et après on va boire un petit verre. Incroyable! Choqué non ou pas? Oui. Vas-y cours te mettre devant comme ça on fait un comparatif de taille. C'est gigantesque. On a fini le tour là, c'était vraiment trop stylé. Content qu'on l'ait fait. Par contre il fait super chaud et en 3 jours on a déjà fini une crème solaire. Je comprends pas trop. Après la deuxième elle est là à l'appart et là il faut vraiment qu'on mette de la crème solaire. Donc il va falloir qu'on ait en acheté. Parce qu'ici apparemment ça coûte vraiment une blinde. À la plage, mais du coup là on va manger, il y a plein de petits trucs trop sympas. On va prendre ça, 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 des sardines. En bas je sais pas s'il y a des trucs qui me chauffent, ça c'est sûr ça va être une dinguerie. Et un peu de trucs pimentés comme ça, Mathéo il va pouvoir faire caca. Voilà notre petite assiette pour 2 euros seulement. J'espère que ça va pas nous revenir trop cher parce que Mathéo il est accro au budget. Ah en fait il y a les prix sur les assiettes, c'est 35 000. Bon appétit. Minha saudade encontrou teu.
t'adorer. Si tu souris du bicho gobla. Congelando meu espaço, tempo, um convite pra dançar. Ça, Liane m'a envoyé une vidéo. Sixième jour, hier j'ai pas trop vlogué, je crois, parce qu'on a rien fait de spécial. On s'est posé dans un petit truc. On dirait que je suis toute blanche avec cette caméra, c'est pas possible en fait. On s'est posé dans un petit truc trop mignon pour les petits déjeuners. Tout coloré comme ça, j'adore. Aujourd'hui c'est notre dernière journée, on va chill. Et ce soir, on va une soirée dans un truc trop stylé pour voir le sunset et tout. La tête, il va vraiment me prendre en photo. Regardez, c'est trop beau. Pancake, j'ai pris avec un jus d'orange comme d'hab. Mathéo aussi, pancake et un petit expresso. Au revoir le Airbnb. C'est parti, on y va. Les deux derniers jours, j'ai pas trop vlogué parce que on a un peu chillé. Même j'avais envie de profiter et tout. Là, on part de Uluwatu, direction Ubud. On a pour 2 heures de route et là, on est en train d'attendre le Gojek. Je vais faire pipi, j'aurais dû faire pipi ça. Je suis un peu conne. J'ai trop soif, j'ai envie de faire pipi. Il fait super chaud. Mais j'ai trop hâte de changer de ville parce que là on avait fait un peu le tour. Enfin, franchement j'ai trop kiffé Uluwatu, c'était très vacances, très plage, très island girl. Là j'ai trop hâte d'aller à Ubud, mais je pense qu'on va un peu moins bronzer donc j'ai un peu le temps.